Salut, c'est Cascole, on se retrouve une fois encore sur Amiga, et cette fois-ci on est sur Turrican 2. Alors pour être honnête avec vous, les jeux du style Turrican ou Metroid, c'est un peu le genre de Metroid, c'est pas trop mon genre de jeu, mais je me souviens que à l'époque j'avais déjà été marqué par la musique de ce jeu. Donc ce que je vais faire, parce que c'est pas garanti que j'y arrive, c'est d'essayer d'arriver au moins jusqu'au niveau 2 et de vous faire écouter un petit peu la musique du jeu. Alors, c'est un jeu qui est sorti, si je me souviens bien, aussi en Super Nintendo et sur d'autres consoles, mais la version mère, c'est bien la version Amiga. Voilà, alors je vais essayer d'expliquer un petit peu les différents mouvements. Donc évidemment, on peut sauter, s'accroupir, tirer, on peut tirer comme ça. On a la possibilité de se transformer en lame. On peut sauter sur les ennemis un peu comme dans un Mario, voilà. J'ai pas envie de gaspiller, mais on a aussi la possibilité d'avoir une arme qui touche un petit peu tout l'écran, mais j'utiliserai à bon escient. Enfin, j'essaierai. Voilà, je me rappelais qu'il y avait un bonus ici. Il y en a un autre ici. Voilà, donc on continue, hein. On va faire gaffe quand même. Le jeu est quand même vachement difficile, donc je vais essayer de pas trop me planter. Hein. Celui-là, tant pis, c'est trop tard. Oui, on peut mettre des mines aussi quand on est transformé. Voilà, cette arme-là, surtout utile dans les cavernes, hein, parce que quand elle touche une paroi, elle se sépare et fait des ricochets. Je vais aller chercher une vie là-bas, mais je vais essayer de ne pas perdre de vie en y allant, parce que sinon c'est con. Mais là, je suis déjà assez mal parti. On va essayer de faire mieux que ça. Hein. J'ai déjà perdu pas mal de vie. Là, voilà. Ouais! Enfin, on fait demi-tour. Alors il faut savoir que les ennemis ne repopent pas. Donc ça c'est bien parce qu'il y a vraiment moyen de nettoyer une zone et de repasser par la suite, essayer de trouver ce qu'on n'a pas trouvé parce que le stage est blindé de passages secrets, ce genre de truc. D'ailleurs les ennemis peuvent nous servir à nous orienter. Si on voit qu'il y a des ennemis dans une zone, c'est qu'on n'y a pas encore été. Ah zut, j'avais oublié ça. Voilà. Il y a encore une autre super arme, mais bon, comme je l'ai dit, je vais pas trop gaspiller. Ce qui m'arrangerait, c'est de trouver de la vie, parce que là, je suis mourant. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Oh my god! Bon ben, une de moins, j'ai envie de dire. Faire ce tir-là, il faut simplement maintenir le clic du tir, ce qui fait que c'est un petit peu long parfois à démarrer, même si c'est la meilleure arme du jeu. Hein. Il
y a du vin. Je me demande s'il n'y a pas une vie cachée quelque part par ici aussi. Ah, dans les cavernes, cette arme est vraiment pas mal. Voilà, il me semblait bien. Il me semblait bien. Bon, on va essayer de continuer et d'aller jusqu'à la fin du niveau. Est-ce que je ne serais pas revenu un petit peu loin? Peut-être bien, peut-être bien. Heureusement, au niveau du temps, on est quand même assez large. Ça, c'est plutôt cool. Ce qui nous laisse un peu le temps de chercher. Bon, là, clairement, il nous l'indique. La première fois, il nous l'indique pas, mais... Ah merde, c'est ok. Allez, tire! Ah, c'était chaud. Hein. Perdu de la vie. Ça fait plaisir. Non, 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 non. Bon ben, je viens de perdre toute la vie que je venais de récupérer. Je l'ai pris. Mouru. Alors ici, on arrive à un premier boss. C'est pas un boss de fin de niveau. Il n'y a pas de boss de fin de niveau. C'est un premier boss. Alors, je vous le dis déjà. Son point faible, ce sont ses yeux, et il faut tirer dans ses yeux, et uniquement dans ses yeux. Bah, il n'est pas très dur quand on sait. Alors, il y a moyen de récupérer de la vie ici, mais parfois j'en perds plus que ce que j'en gagne. Voilà, ça a été. Allez, on continue, on va essayer d'aller... Jusqu'à la fin du niveau, il nous reste quand même 4 vies. Je crois, c'est ça? Ouais, c'est 4 vies. Il y a moyen! Ah, je fais pas assez gaffe. Salut. Alors je ne sais pas ce que seront ces espèces de cristaux, mais je les prends. À mon avis, c'est bien. Allez, on est parti. On est bien, on est bien. Oh, oh, oh. Oula. Il y a un nid en fait. Putain, je suis trop loin. On va encore pouvoir récupérer une vie après, mais c'est pas une raison pour les perdre.
Bon, bah, exactement le contraire de ce que j'avais prévu. Allez. Voilà, donc il faut redescendre ici pour récupérer la vie et ensuite on va remonter. Mais comme je l'ai dit, vu que les ennemis ne repopent pas, ça va, c'est moins chaud pour remonter, comme j'ai déjà tout nettoyé en montant. Voilà. Alors on a fini le stage 1-1. On passe au 1-2 et on arrive dans un cauchemar. Alors une dalle sur deux s'enfonce dans le sol et on meurt instantanément. Je vais pas vous le montrer, enfin ça risque de... C'était pas la bonne, je me suis trompé de dalle. Mais je crois qu'on l'a compris du coup. Il y a de la vie là, mais je suis full. Les lags, je pense que c'est à cause de la capture vidéo parce que je n'en ai pas en temps normal. C'est bizarre. Ah, bien sûr. Alors, le problème, c'est que je me rappelle pas du tout où se trouve la sortie de ce stage. Du coup, je suis un petit peu à l'aveuglette. Bon, on va descendre ici. Petite chute. Oh, ça marche bien la lame quand même. Nanana. Ah, il me le faut. Ah, c'est bon ça. C'est vrai qu'après tout, autant faire comme ça. Alors, le jeu est vraiment très bon, je pense que le meilleur de la trilogie, bon c'est peut-être un avis personnel, c'est le 2. Le 1 était vraiment très bien, et dans le 3, ils ont décidé de remplacer ce tir-là par un grappin qui nous permet de s'agripper donc, au plafond et tout ça. Et je trouve ça dommage parce que c'est un petit peu ce tir-là qui faisait l'essence du jeu. Oh. Shield.
de l'autre côté. Faut qu'il tourne. Non. Uh-oh. Mais il y avait une grotte sur la droite. Je l'ai vue en tombant. J'ai envie d'y aller, moi. Uh-oh. Ça marche pas. Je viens de gaspiller deux vies. Je tire. Même s'il y a rien, je flippe. Un boss. Alors, je le connais pas. Je me rappelle. C'est sûrement les yeux. J'allais dire ça se passait pas trop mal, mais voilà. C'est Terminatus. Eh ben, c'était pas si mal. Donc, on était sur Turrican 2 et maintenant, ben, on ricane moins. Bon, celle-là, elle est faite. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!